Eh bien, bonjour à tous, c'est Eagle, et non, aujourd'hui on ne se retrouve pas pour un tutoriel, mais pour mon premier gameplay commenté sur Black Ops. Alors, pourquoi Black Ops? C'est un jeu que j'apprécie pas forcément plus que ça. Je suis plus Call of Duty 4 et 6. L'avantage de Black Ops, c'est qu'on peut facilement faire de grosses parties avec une arme normale. Donc c'est pour ça que j'aime bien y aller de temps en temps pour changer, pour me faire plaisir. Voilà. Alors, les classes, ma classe, j'ai une MP5K chargeur grande capacité. Très pratique. Vous pouvez tuer plusieurs ennemis à la suite sans forcément recharger, donc c'est assez bien. Vu que la précision de l'MP5K en plus, c'est assez pratique. J'ai un M1911, pardon, pour changer d'arme très enfin rapidement si vous le touchez sans le tuer, vous pouvez changer d'arme et vous pouvez l'avoir directement, donc ça c'est assez bien. J'ai une grenade à fragmentation, pas de Semtex, non, une grenade normale. Les paralysantes qui se tirent plus rapidement que les flashs, c'est important, donc c'est pour ça que je les ai mises cette fois-ci. Je n'ai pas d'équipement étant donné le faible niveau vu qu'on venait de passer prestige. Je n'ai pas de, j'ai pas acheté d'équipement. J'ai poids plume, passe-passe et marathon. Voilà, pour les séries d'élimination, j'ai le drone, le colis stratégique et l'avion, l'hélicoptère, pardon, ouais, l'hélicoptère à cette élimination à la suite. Alors, dans ce premier gameplay, j'ai essayé de faire un truc. Comme vous pouvez le voir, en bas et sur les côtés, vous voyez une sorte de bannière. On peut appeler ça une bannière, avec le nombre de tués, d'assistance et de morts que je fais en permanence en fait. Donc en fait, vous verrez, vous pourrez voir en permanence combien j'ai tué de personnes, combien j'ai d'assistance et combien j'ai de morts. J'ai fait ça, parce que j'avais déjà vu ça dans une vidéo et je trouve ça vraiment bien, assez pratique. Et j'ai voulu essayer. Bon là, c'est encore à l'état de prototype, donc c'est pas très beau, c'est un peu simplet. Mais je trouve l'idée pas mal. Donc j'essaierai de faire un truc un peu plus stylé les prochaines fois pour continuer sur cette idée. Parce que j'aime bien. Aussi, vous verrez sur la droite quelles sont mes séries d'élimination que je porte sur moi. Donc là, par exemple, j'ai rien, donc il n'y a rien écrit. Mais vous avez pu remarquer que lorsque j'ai un colis stratégique est dessiné sur la droite en permanence. Et donc c'est assez. Je trouve ça va assez bien. Donc voilà, là je fais du 16-2. Donc c'est pas trop mal. On a C et B, l'ennemi a A, et je crois que ça va rester comme ça assez longtemps. Donc c'est pour ça que je vais rester beaucoup sur A sans jamais le prendre pour pouvoir me faire plaisir sur leur respawn. Et voilà. Sinon, voilà, vous avez vu là, il y avait un drone. Pendant un moment et il a apparu sur la droite. Non, il est pas assez longtemps. Voilà. Alors là, je suis désolé, je n'avais plus de pile dans ma manette, donc il y a une petite coupure, je ne bouge plus. Et voilà, on repart. Désolé hein, pour ce type. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, sur ma chaîne, vous avez vu. Peut-être qu'il y a. Enfin, vous avez peut-être vu, il y a des. J'ai commencé à faire des tutoriaux sur Sony Vegas. Alors, ça plaît à. J'ai eu des échos, ça plaît à pas mal de gens. Moi, ça me plaît de faire ça. Si ça vous aide vraiment, dites-le moi, je continuerai. Si j'explique mal ou si quoi que ce soit, dites-moi vos avis, commentez et ça me fera plaisir. Moi, je saurai ce que je dois changer ou pas. J'accepte toutes les critiques, bien sûr. Si vous avez quelque chose à dire, faites-vous plaisir. Voilà, sinon, attends, pour reparler de la bannière, vous avez vu que j'ai pris un FAMAS et qu'un petit FAMAS s'est dessiné sur la droite. Ça aussi, je pense que je vais l'améliorer. Bon, pour l'instant, c'est la seule chose que j'ai pu faire rapidement avec cette idée-là. Mais voilà. Sinon, la map Lunch, que dire de la map Lunch? C'est une map vraiment bien, j'apprécie vraiment cette map. Elle est cool, il y a de l'action, de l'ambiance, il n'y a pas grand monde
qui campent. Donc c'est assez cool. On se fait plaisir. Ça bouge, la taille est moyenne, donc ça va, c'est agréable à jouer, c'est bien. Voilà, pour parler du gameplay, là j'ai 21 morts. J'ai 21 tués, pardon, et 4 morts. Donc là, je crois que je vais avoir beaucoup de chance. Voilà, l'ennemi de gauche ne m'a pas vu. Alors je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, c'est le niveau 1. Et c'est un vrai niveau 1, apparemment. Et j'ai eu beaucoup de chance. Sauf le deuxième avec ma connexion de pauvre qui l'a badé, le gars. Je sais pas, il a apparu d'un coup, il s'est téléporté. Et je suis mort. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, là je vais sur B car mon radar m'indique qu'il faut aller dans la direction de B au moins. Et on va chercher l'ennemi. Alors là il y a un gars, je ne sais pas du tout ce qu'il faisait. C'est le même que tout à l'heure. Il était en bad, mais bon. Il découvre le jeu, donc on va pas le critiquer. Je suis pas là pour ça. Et voilà. Sinon, j'essaierai de refaire plusieurs martyrs. Bon, tant pis, je suis mort. C'est pas grave, je me suis jeté dessus, on peut dire. Mais bon, je l'ai pas vu, c'est pas grave. Sinon, je voulais dire, oui, que je vais essayer de continuer les commentaries. Moi, je trouve ça sympa, ça me fait rire de faire ça, ça me plaît, c'est plaisant. Alors, bah, on va tuer, voilà. Bon, j'aime bien faire ça, c'est assez marrant, enfin. Je trouve ça, il y a de l'ambiance, on écoute quelqu'un, on regarde le gameplay, je trouve ça assez sympa et j'encourage les gens à le faire. Mais on en voit de plus en plus, c'est bien. Et ça développe un peu la communauté française. Enfin, on comprend quelqu'un parler dans une vidéo, parce qu'avant, on pouvait voir que des anglais, on comprenait pas toujours ce qu'ils disaient. Voilà, au passage, magnifique triple raté. Voilà, alors là, c'est là que la petite arme, enfin, le petit pistolet intervient. Parce que si on s'en sort avec ou un lance-roquette, je crois que dans celui-là, dans Black Ops, on peut mettre des lance-roquettes en secondaire. Si on a un lance-roquette ou une arbalète ou une couteau balistique, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est long à sortir et vous aurez peu de chances de changer rapidement d'arme et de pouvoir tuer l'ennemi comme vous souhaitez en fait. Donc c'est un peu. Donc le pistolet avait souvent d'armes en cas de problème et c'était assez bien. Après il y a eu Modern Warfare 2 où là tout le monde avait des pompes. Au début beaucoup de gens mettaient les fusils à pompe et ça mettait beaucoup de temps à sortir et on mourait souvent à cause de la lenteur du changement d'arme en fait. Voilà, donc je suis niveau 12, donc aucun atout en pro, rien. Juste la MP5A, à ce niveau je pense qu'on n'a pas vraiment le choix d'armes. À part peut-être le M16, mais bon, je conseille fortement la MP5A. Très bonne arme, même par la suite, vous pouvez utiliser la MP5A, qui est une arme vraiment assez bien, avec une bonne maniabilité. La puissance est correcte. Donc c'est une arme que je conseille vraiment. J'ai essayé le Spectre récemment, c'est une arme. Alors là, le Spectre, je pense qu'elle est au-dessus de tout ce qui est AK-74U, Kiparis, au-dessus de tout ça. Le spec, je pense que c'est mon arme de. Comment ça s'appelle déjà? De. Je ne sais plus. Bon. C'est mon arme vraiment, je pense, préférée. Mais bon, là, on l'a pas eu. Bon, c'est pas grave. Et la partie s'achève. Alors, j'ai remis la taille de la vidéo normale. J'ai caché la bannière. On a gagné 200 à 131. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. La partie s'achève. Et je vais vous laisser. Passez une bonne soirée. Bye, tout le monde.